Première apparition publique du prince Louis, retour de Meghan Markle. La famille royale célèbre Elisabeth II Royaute. La famille royale était réunie pour Troop in the Colour, qui célèbre officiellement le 93e anniversaire d'Elisabeth II, Troop in the Colour, aussi connu sous le nom de The Queen's Birthday Parade, n'est pas seulement un défilé militaire pour célébrer l'anniversaire de la reine Elisabeth II. C'est l'occasion pour les Britanniques de saluer les membres de la famille royale, qui fête ses 93 printemps cette année. Et ils étaient tous réunis pour l'occasion ce samedi. Meghan Markle sans Archie allait elle être présente. L'incertitude régnait quant à la présence à cette cérémonie de la jeune maman Meghan Markle. Pour la plus grande joie des spectateurs, la duchesse de Sussex a réalisé sa première apparition publique depuis la naissance d'Archie. Elle est apparue dans une calèche aux côtés de Prince Harry, mais aussi de Kate Middleton absente lors des commémorations du Day et de Camilla Parker Bowl. Le bébé Archie n'était pas de la partie, bien trop jeune pour apprécier un défilé militaire. Mais les yeux étaient aussi rivés sur le prince Louis, âgé de 13 mois. Avant l'apparition officielle au balcon, il a offert un avant-goût de sa bouille au public en jetant un œil à la fenêtre du palais. Puis, le troisième enfant de la duchesse de Cambridge et du prince William est apparu au balcon de Buckingham Palace, dans les bras de sa mère, puis de son père. Grand sourire, signe de la main et complicité avec ses parents. Il a un peu volé la vedette à sa sœur, la princesse Charlotte, et à son frère aîné, le prince George, qui ont également salué la foule. Quant à la reine, elle a passé en revue les troupes, avant de rejoindre la famille royale. Il ne manquait plus que le prince Philippe pour que la famille soit au grand complet. L'époux de la reine, qui fêtera le 10 juin son 98e anniversaire, n'assiste plus aux événements publics depuis août 2017. On le sait déjà, Kate Middleton est une adepte des tenues qu'elle peut mettre lors de plusieurs événements. Le recyclage, c'est de famille. Et avec ses enfants, la duchesse de Cambridge met aussi en pratique cette mode écolo. On a d'ailleurs souvent vu le prince George et la princesse Charlotte porter des anciens vêtements de leurs aînés. Samedi 8 juin, c'est leur petit dernier qui a recyclé une tenue pour sa toute première apparition publique. Sur le balcon de Buckingham Palace, pour la parade Troop in the Colour, le petit garçon était en effet habillé d'une tenue blanche et bleue, qui appartenait à son oncle. C'est dans le même short bleu et le même t-shirt à broderie que le prince Harry était apparu dans les bras de sa mère, Lady Di, pour la Troop in the Colour en 1986. Et cette tenue est visiblement très appréciée du prince William et de Kate Middleton, leur fils George en portait en effet une très similaire pour célébrer son deuxième anniversaire. Pour sa première apparition publique, le prince Louis a volé la vedette de ses deux aînés. Sur le balcon, le petit garçon qui a fêté son premier anniversaire était totalement subjugué par les avions de la Royal Air Force qui passaient au-dessus de lui. Plissant les yeux pour mieux les voir, il leur a fait des signes à très nombreuses reprises. À ses côtés, le prince George a fait preuve d'un calme étonnant tandis que leur sœur, Charlotte, a encore une fois joué son rôle favori, celui de la reine de la grimace.